da 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 da, yeah. Da 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 da, yeah. Da 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 da, da 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 da, yeah. Esprit de quatre vents souffle, yeah. Manifeste dans mon univers, la vie est loin de nous tous. Oh, d'avoir besoin de ton réveil. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Étends ta main, touche-nous du plus profond. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Arrange le rythme et mets le temps. Réanime nos cœurs, nos pensées et pourquoi pas nos corps. De ce monde perdu et comblé des ciels de mort. Esprit de quatre vents souffle, manifeste dans mon univers. La vie est loin de nous tous. Oh, d'abord besoin de son réveil. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Qu'il souffle dans ta maison, qu'il souffle dans ton travail. Que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle. Qu'il souffle dans ton imagination. Oh, oh. Qu'il souffle partout, 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 partout. Qu'il souffre, qu'il souffre, yeah. Qu'il souffre, qu'il souffre, qu'il Esprit de quatre vents souffle, manifeste dans mon univers. La vie est loin de nous tous. Oh, d'avoir besoin de ton réveil. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Étends ta main, touche-nous du plus profond. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Arrange le rythme et mets le temps. Réanime nos cœurs, nos pensées et pourquoi pas nos corps. De ce monde perdu et comblé des ciels de mort. Esprit de quatre vents souffle, manifeste dans mon univers. La vie est loin de nous tous. Oh, d'abord besoin de ton réveil. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Que le vent souffle, 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 souffle. Yeah. Que le vent souffle,
esprit, qu'il souffle dans ta pensée, qu'il souffle dans ta maison, qu'il souffle dans ton travail. Que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle, qu'il souffle dans ton imagination. Oh, oh, il souffle partout, 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 partout. Qu'il souffle, qu'il souffle. Yeah. Qu'il souffle, qui qu'il souffle. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir Maestro. Bonsoir Frère Jean-Louis. Comment nous y est? Bon, par la grâce de Dieu, nous très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Dieu, merci. Bonsoir le monde, bonsoir les super fans, super branchés. Nous sommes très contents d'être là ce soir
Nous avons Maestro Sauveur avec nous ce soir, bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous n'êtes pas sans savoir, le jeudi, c'est l'étude biblique, l'étude de la parole de Dieu. Vous devez avoir un stylo, un cahier, une Bible, votre Bible, pour la parole, bien-aimés frères et sœurs. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir poser vos questions tranquille, sans problème. Non pas tellement tardé, bien-aimés frères et sœurs, à entrer dans le fond du sujet. Je vais saluer quelques amis qui sont là avec nous déjà. Et après, tout de suite, nous allons rentrer dans le sujet même, dans l'étude. Nous allons saluer Isalda Jacquet qui est monté live là, qui est arrivé, premier arrivé. C'est ventre, où t'es devenu? Parce que Maïsso sauvait tout seul. Il t'a bon, hein, Maïsso? Ben oui, hein? C'est le cap pour l'hélicoptère, venez. Sous le cap pour l'hélicoptère pour les servantes, nous saluons, bon Dieu béni, au plaisir. Vos salutations pour nous, bonsoir les hommes du Seigneur, bon travail, bon courage dans les Seigneurs, shalom, shalom, bonsoir à toutes et à tous, shalom, shalom. Nous comptons, bon Dieu béni, nous saluons Salnav d'Ossainville, bonsoir Salnav, nous saluons à toute famille, toutes amies, tout le monde au prend. La peine pour partager l'émission ça. Nous comptons nous saluer. Nous saluons Majori Corielus. Bonsoir. Bon Dieu bénis Majori. Maïsso Zoué qui est là avec nous. Nous saluons aussi Keda Michel. Bonsoir Keda. Merci pour bel texte. Bonsoir serviteur. Bon Dieu. Bénis nous. Tout de cœur moins. Saluez nous dans Jésus. Bon travail avec Jésus. Moi, rete kwè. Travail n'a fait. Pape en vain. Non, Jésus. Merci, Sévent. Nous saluons Renel Badet. Nous saluons Kida Michel encore une fois. Nous saluons Jean-Dilso Elias. Bonsoir, Jean-Dilso. Nous saluons à toute famille. Madame, petit, frère, sérieux, toutes les amis ont gagné. Nous saluons. Nous saluons Jean-Saïus. Bonsoir, Jean-Saïus. Au plaisir. Nous saluons à toute famille. Bon Dieu béni. À tout le monde nous partager l'émission. Ça, c'est un plaisir pour nous là ensemble à soi. Donc, n'apprendons pas partager, commenter, le voyez, j'aime, vous like. Ou même qui beaucoup abonnez, fait émission ça, émission PAO. Peterson, Joseph, bonsoir. Au plaisir, Peterson, c'est un plaisir pour nous là ensemble. Bon Dieu béni, à toute famille. Hein. Deloné, Michel, Manouchka, bonsoir. Bonsoir, servante, comment nous est? Moi, salue les trois beaux gosses de la maison et toute famille. Hein. Bon Dieu béni, nous. Victor Jacqueline, bonsoir, au plaisir. Victor, nous contactons là avec nous des bonheurs. Nous saluons à toute famille, hein? À tout le monde qui partage l'émission. Moi, saluons nous dans le nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous. Merci Jean-Saïus, au plaisir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Victor Jacqueline. Corielus, Jean-Farélus, Corielus, bonsoir. Bon Dieu bénisse nous. Merci. Béloni Sion. Bonsoir Béloni. Bon Dieu bénisse nous. Jean-Rico, ça fait plaisir Jean-Rico. Ça fait longtemps nous pas tendo. Ben nous vague. Donc de toute façon, Amos pral ou en bas live là, nous contents qu'il est là ensemble avec nous. Au grand plaisir pour nous là ensemble. Moi content qu'il est là avec nous Jean-Rico. Voyez live là, partagez-le, voyez le bail en pile amis que au gagnent qui branché ensemble avec nous. Mon nous partagez-le, voyez le bail au Jean-Rico, c'est un plaisir. Nous saluons sœur là du côté de Canada. Et saluer pour moi saluer Bertine, moi saluer madame, moi saluer petitou. C'est un plaisir, bien-aimés frères et sœurs. Je dis à ces maestros sauveurs, frère Corielus qui a parlé et à ma droite ces maestros sauveurs Elis qui toujours là, les PDG de l'émission Chandelier d'or, c'est lui même qui va faire un travail avec nous. Assurez bien-aimés frères et sœurs dans la parole, l'âme défendue, l'âme épée à double tranchant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole. Donc, nous besoin. Bonsoir Manelia, Silis Corielus, bon Dieu béni, merci pour bel texte, vous voyez. Isalda Baskileli, parce qu'il y a net la navigué. Bonsoir, servant nous encore une fois. Nous contactons là avec nous. Nous saluons Madeleine Aristène. Bonsoir Madeleine, au grand plaisir. Nous saluons aussi Chantal Marie Galette. Bonsoir Chantal Marie Galette, au plaisir. Nous saluons Aristène Marie. Mais ce sont est-ce qu'on connaît Aristène Marie? Suspect. Bonsoir Aristide Marie, ou manquez nous, mais tout petit peu fâché, maestro. Donc, Dion Dagbola, qui a nous créé le Ticano, c'était fait ville dans la République Dominicaine, mais là, l'entrée, le Tiki ton parole, situation fait action.
Ah, situation création. Voilà. Ok, même papa Jean, quoi, Aristide Marie. Moi salue tout messieurs d'Amio. Et bon, cite le nom, messieurs d'Amio, parce que Fadel, il y a tout cherché, je me cherche, je ne pas de journée, même Thérèse, il y a une journée. Moi salue Whitmark, Sonsave, Daphné, Ketia, Laurine et Gondot. Aaron Prince. Hein. Bonsoir, Aaron Prince. Bon Dieu béni nous. Au plaisir pour nous là ensemble à soya. Pas oublier, partager, commenter, voyez j'aime, voyez like. Sous pourquoi abonner, son erreur lié. Son erreur fatal, abonner l'émission. Hein. Nous comptons pour nous là ensemble à soya. Nous saluons Cynthia Belleus. Bonsoir Cynthia. Au grand plaisir, nous saluons Jude, nous saluons Laurie, nous saluons Ruth. Bon Dieu béni nous, au plaisir. Nous saluons Sœur Diedon Exilus, à toute Maril, à toute petite famille. Avec tout le monde, nous partager l'émission ça. C'est un plaisir. Basile et Gwens, ça fait longtemps, Basile. Nous contactons au brancher avec nous. Au plaisir. Pas oublier de partager, de commenter. Voyez, j'aime, voyez, like. N'a pas être micro avec Maïsso Sauveur. Cap passer salutation et puis faire prière pour l'éternel capable de mettre Saint-Esprit dans nous. Déshabillez-nous en chair, en os, en sang. Mais mettez Saint-Esprit pour travailler ça capable de faire. Pour tout le monde qui branche dans les cinq continents capable de satisfaire. Maïsso Micro. Bonsoir Frère Jean-Louis, de nouveau, bonsoir, et bonsoir. Les super branchés, bonsoir Europe, Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce soir, comme accoutumé, pour rendre en gloire à Dieu. Honneur que lui-même seul lui mérité. Et c'est une grosse grâce, bon Dieu, fait ma soirée pour me capable là, parce que Frère Jean-Louis, pas de comme ça, mais mardi, moi t'ai manqué mourir mais c'est manqué me démanquer ce soir mission ça forme de venir accomplir m'pas qu'à mourir non ni m'pas qu'à l'hôpital aussi non parce qu'il forme là. Alléluia. Gloire à Dieu, notre Dieu est grand, il est puissant, il m'a épargné dans un accident forcé parce que son bandit qui t'ai voulu finir avec mais l'ange de l'Éternel dit t'ai campé là. Et à soya, mon grand gloire, mon Dieu. Gloire. Donc, moi salue ma chère épouse, Madame Sonia. Je salue ma fille, White, c'est vous pas connaissez le nom. Et donc, jeudi, c'est un gros jour pour lui. Et donc, c'est date ça qui est décidé fêter anniversaire. Joyeuse fête, White, que le Seigneur te bénisse. White, c'est pas plus grand? Plus grand. Plus grand, puis on connaît, plus grand qu'on l'a. Voilà. Plus grand qu'on l'a, connaît. Joyeux donc, anniversaire. Que du bonheur, joue ça, quel est un jour spécial pour servante de Dieu. Beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur, beaucoup de longévité, amen. Espérance de vie surtout. Amen. Je salue ma princesse Kitia, je salue Widmak, et je salue Sonsave Daphné, je salue Laurine et Prince Aaron Prince-Ulysse. Donc, je salue toute la famille, hein. Bon, je salue toutes les amis qui ont regardé, ça qui Canada, ça qui États-Unis d'Amérique, plus précisément en Californie, en New Jersey, à Silao qui New York, nous saluons Silao qui en Haïti, et Brésil, Chili, et bien nous saluons tout le monde. Donc, nous ne pouvons pas arrêter net dans la salutation, hein, au fur et à mesure. Et donc, on a continué à saluer les amis. On salue tout le monde qui salue nous. Et tous les amis qui a pu suivre l'émission L'aide d'édification divine. Et ce soir, c'est l'étude biblique. Et on attend des rares musiques. Mais on attend la parole en parole. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Et jusqu'ici, tu nous secours. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et tu sais, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous respirons, nous pouvons regarder, nous pouvons toucher, nous pouvons marcher, nous pouvons réfléchir. Et tout ça, c'est par acte amour que tu as manifesté pour nous à la croix. Merci pour le salut, merci pour ta parole. Et ce soir, nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, la moindre en préparation et que nous avions fait, que tu passes au-dessus, au-delà, et pour que tu parles à ton peuple, pour que tu enseignes à ton peuple ta parole qui est la vie, Seigneur. Merci parce que tu es pour nous. Et merci pour l'accueil dans ce lieu, et que ton nom soit béni. Merci pour les techniciens, et merci pour tout le monde.
Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Maestro Sauveur Ulysse qui est là avec nous, ou même qui pas te connaît, ah ben c'est celui-là, le monsieur qui est toujours, quasiment toute la semaine dans l'émission Chandelier d'or. C'est lui qui est là avec nous ce soir, dans l'étude de la parole. Comment les croyants de l'évangile peut-ils enraciner dans la vie chrétienne ou dans la foi? C'est ça les sujets que nous allons débattre ce soir. Vous aussi êtes concernés de ce sujet, bien-aimés frères et sœurs. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Il y a le numéro qui défile en bas. Vous pouvez appeler dessus, bien sûr, avec le sujet. Sans être hors du sujet, vous ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. Nous devons être sur la même longueur d'onde. Amen. Vous posez la question ou vous pouvez faire des éclaircissements sans vouloir nous déranger, sans vouloir nous perturber, sans vouloir déranger nos live spectateurs. Ça, c'est vocabulaire, pas, nous pas venir dans le dictionnaire, non? Bon Dieu, bienvenue, bienvenue, frère Jésus. Micro pour moi ici. Ben oui, frère Jean-Louis. Nous sommes là pour le peuple de Dieu et le peuple de Dieu qui nous regarde. Et donc, elle est là aussi pour nous. Alors, ensemble, et nous allons nous décoller parce que le voyage est si long. Mais avec l'aide de Dieu, nous savons que nous allons atterrir tout à l'heure. Oui. Je salue le révérend pasteur Josa, pasteur Mathieu, pasteur Béléry Joseph. Je salue mon pasteur Serge Janvier, donc, qui a l'habitude de regarder l'aide édification divine cette émission. Allez. Donc comme frère Jean-Louis vient de dire, c'est comment monde qui gagne confiance dans bon Dieu est capable enraciner dans bon Dieu. Comment le capable enraciner dans bon Dieu. Donc c'est dommage, nous t'a cherché un pied médecin m'a joine pour nous dégager comme démonstration. Eh ben nous pas joindre nous, donc c'est rare donc il y a un gros arbre donc qui balancé jusqu'en haut mais nous pas joindre si petit. C'est là fait que nous pas gagne une racine pour nous capable parler visuellement mais donc nous croit que nous sommes des paysans, nous sommes habitués aussi avec des arbres, avec des plantes. Quand on dit racine, on voit justement la partie qui se trouve sous terre. Ça fait près de 6 mois et nous sommes dans un sujet, mais j'espère qu'aujourd'hui nous allons vraiment le laisser au repos pour d'autres personnes. Alors donc, il y a le mystère de la parole de Dieu. Le mystère de la parole de Dieu. Et je vous dis, nous avons un troisième point qui nous a abordé. Alors donc, en petit résumé, nous t'es terminé dernière étude nous t'ai fait et pas trois mots. C'était étudier, méditer et partager. C'est-à-dire il faut étudier la parole de Dieu, nous avions expliqué pourquoi, il faut méditer la parole après avoir la lu et donc la troisième phase, il faut la partager. Il ne faut pas la garder pour nous-mêmes ou pour vous-mêmes. Alors, nous avions parlé de mystère de la parole. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose incompréhensible. C'est quelque chose inaccessible à l'intelligence humaine. Tout ce que l'homme n'arrive pas à comprendre et cherche à découvrir, eh bien donc on dit c'est un mystère. Nous avions pris la Trinité comme exemple. La Trinité comme exemple. Donc nous avions dit que la Trinité pour l'homme, l'homme ne peut pas la comprendre tout simplement sans avoir la foi en Dieu. Parce que quand on dit Trinité, on voit les trois premières lettres, tri, qui signifie trois, composé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne,
on arrive à accepter la Trinité. On arrive à croire parce que nous avons la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et bien donc, sans la foi, on ne peut pas aussi oser de comprendre ou de croire dans la Trinité. Nous avions dit aussi que le mystère est le contenu de la révélation de Dieu, le mystère de la parole, ou la parole même. La parole même est le contenu de la révélation divine. Et donc, Dieu, dans son omniscience, dans sa capacité, ne veut pas que l'homme reste dans le désarroi, ne veut pas que l'homme reste dans l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché une portion de lui-même pour venir sur la terre. En parlant de la parole. Jean chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, commence donc leur programme avec ce mot, au commencement. Au commencement était la parole. Et Jean pral expliquer nous que la parole est devenue chair. Quand on dit la parole est devenue chair, on voit Jésus. Jésus, le fils de l'homme. Il est le fils de Dieu, premièrement. Il est aussi le fils de l'homme parce qu'il est passé dans l'homme pour arriver sur la terre. Dieu respecte donc ce qu'il est. Il respecte ce qu'il fait. Donc, il sait que il pouvait nous faire dormir et puis on se réveille et donc et on voit quelqu'un qui marche, on dit c'est Dieu en personne, Jésus. Mais non, il a respecté donc la création. Donc étant donné que Adam, Ève a trouvé leur naissance, il faut que Jésus trouve aussi sa naissance. Voilà pourquoi en disant que la parole de Dieu par excellence est Jésus, le Christ. Il est homme et Dieu, comme nous venons de dire, et qui existe depuis au commencement. Il est présenté sur la terre pour confirmer que Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu, dans son baptême, c'est ça, dans son baptême, dans Jean chapitre 3, verset 17. Et donc, une voix audible va s'éclater pendant que les gens critiquaient, pendant que les gens parlaient mal de Jésus et de Marie, pour dire qu'on dit qu'elle est sainte, et qu'elle est une femme de Dieu, qu'elle est la porteuse, et pourtant, et donc, elle est pécheresse parce qu'il a mis au monde un fils, et donc sans avoir été avec son mari Joseph. Mais c'était le mystère de Dieu pour que Jésus arrive sur la terre. Alors, il déclara au verset 17 de Jean chapitre 3, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Alors, pour enlever tout doute au cœur des humains, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jésus, en tant que parole qui vit en nous, alors il transforme notre vie. Paul va la déclarer en disant que « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, je vis dans la foi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous connaissiez Paul, vous avez entendu parler de Saul, ce qu'il faisait avant. Mais Dieu l'a transformé sur la route de Damas. En entendant la voix de Jésus, en acceptant cette voix, eh bien donc, il est devenu transformé. Non Saul, le persécuteur, mais Paul, le gagnant des âmes. La Bible contient quoi? La Bible contient la parole de Dieu, la parole révélée. Pourquoi nous ajoutons la parole révélée? Parce que ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole pour dire que c'est un philosophe qui a dit ceci, qui a dit cela. Non, c'est la parole révélée. Les écrivains
les écrivains, alors donc ceux qui les hommes que Dieu utilise pour écrire la Bible. Donc ce n'est pas comme une pensée qui vient et puis on dit on va le mettre par écrit. Non, et le livre d'Apocalypse nous donne cet exemple. Et Jean dans l'île de Patmos. Et donc l'Esprit de Dieu l'a révélé pour réveillé pour dire écris ceci. Écris ceci, parce que ce n'est pas une parole et donc qui était dans l'air, mais c'est une parole venant de Dieu. Oui, nous pouvons confirmer que la Bible contient la parole de Dieu. Et bien c'est cette parole que nous disons, premièrement, il faut l'étudier. Frère Jean-Louis, oui. Il faut étudier cette parole. Pourquoi l'étudier? Parce que c'est la parole véritable. C'est la parole véritable car elle est le contenu de la révélation de Dieu. Deuxièmement, donc, il faut méditer la parole. Pourquoi méditer la parole? C'est pour demeurer là-dedans. Méditer, c'est pour demeurer là-dedans. En méditant, donc, les autres idées vont donc nous écarter pour que Dieu parle avec nous. Puisque c'est la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, eh bien, donc, Dieu parle avec notre cœur. Alors, cette parole que nous lisons, premièrement, nous devons la méditer pour devenir meilleur, pour devenir disciple. Car en tant que disciples, nous avons une responsabilité de transmettre la parole du Maître à d'autres. Et troisièmement, nous avions dit que cette parole est à partager. Nous ne pouvons pas la garder pour nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là, mes chers amis téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir. On nous connaît déjà. On nous connaît déjà, mais nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu. Et cette parole et donc, va faire quelque chose dans des cœurs. Alors ce soir, nous voulons attaquer le troisième point. Comment le croyant de l'évangile peut-il être enraciné dans la vie chrétienne ou dans la foi? Comment nous capables enraciner nous dans l'évangile? Premièrement, le mot enraciner veut dire prendre racine, en parlant d'un arbre, en parlant d'une plante, prendre racine. Et vous connaissez bien, l'on mettait un grain de maïs en bas de terre là, et sous ta remet fait expérience là, par contre, il a levé ici, prendre grain de maïs, mettre en bas de terre, et puis ou après il y pousser yon ti bab et c'est lui même qui prend la racine. J'aime nan pral percer terre li sorti, ça nous dit plante la levé, une partie reste à la graine même reste sous terre et donc c'est elle qui va former, c'est le grain même qui va former donc les racines. Pour feuille maïa bien belle pour la pousser épi, c'est parce qu'il y a une racine qui a puisé dans la terre là. Et donc dans la vie chrétienne pour l'homme, enraciner veut dire se fixer profondément. Dans quoi? Dans l'évangile, dans la parole. Se fixer dans la présence de Dieu. Ou du moins encore, non seulement se fixer profondément, il faut se fixer solidement. Solidement dans l'esprit et ou dans le cœur de l'homme. Alors la parole tombe dans le cœur. Et donc il y a un passage, et donc un parabole que Jésus a expliqué dans le livre de Matthieu. Un semeur qui est sorti pour s'aimer. Une partie tombe dans de bonnes terres. Une partie tombe sur les rochers. Une partie tombe dans les épines. Et donc et chaque plante ça yo, c'est un type de chrétien que Jésus présentait. Et donc pendant que nous dans l'église, comment nous y est? Sous pas gen racine, n'importe petit vent a chaviré au à terre. Nous te gen un gros pied bois de chêne dans zone Bolakay nous et non coin que ont relé quartier madame ville Sius dans zone bois blanc. De l'eau passée parfois, de l'eau potée wash combler jusqu'aux branches, mais il là. De l'eau qu'on passe, de l'eau fouillée, ou après zo kote et taille abla.
mais l'eau pas jamais arraché le bâton si on coupe le cunier ou bien du moins s'il mourit volontairement, mais l'eau pas de capoter l'aller. Pourquoi? Parce qu'il était enraciné, et c'est de cet enracinement visuel, physique, que nous voulons transformer. Nous voulons placer une personne ou un chrétien à la place de cette chaîne pour dire, quel que soit le vent qui passe, tu restes assuré, tu restes terrassé. Pourquoi? Dans la terre. Pourquoi? Parce que racines nombreuses. Est-ce que pas un combattant dans la guerre de l'indépendance qui t'a parlé de racines? Toussaint Louverture. En me reversant, on a battu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Le tronc de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines. Ah, c'est là, le mot racine est important pour nous les chrétiens. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Alors donc, nous pouvons dire que être enraciné en Christ, c'est ce que Dieu demande. Il est important de pratiquer la parole de Dieu pour avoir un avenir considérable. Sinon, nous travaillons en vain. En vain, cela veut dire ce que nous espérons va arriver contrairement. Ça va tendre, c'est pas lui qui a privé parce que travail ou pas pour tes fruits, travail ou pas bon. Travailler de mieux en mieux. Travailler de mieux en mieux. Vous et moi, nous avons pour devoir de travailler de mieux en mieux. Donc, je dis, si nous faisons le bon, demain, nous battons pour nous faire pi bon. Et après demain, pi bon encore, pi bien encore. Et donc, pour nous capables de faire bon Dieu nous en plaisir. Un chrétien, lorsque la Bible devient le centre de sa vie, ne voulant rien faire sans la vie de Dieu. Un chrétien enraciné, un croyant enraciné dans l'évangile, dans la foi, dans la parole de Dieu, est quelqu'un qui ne va pas décider de prendre une résolution sans Dieu. Je crois que ça c'est clair pour tout le monde. Il faut consulter l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Si nous lisons Ézéchiel chapitre 28, verset 6-7. Ézéchiel 28, verset 6-7. Pendant Frère Jean-Louis pral li pour nous. M'pa konnen si zanmi nou yo tande nou très bien. Et donc si t'as un petit problème ou mettre voyons ti note et comme ça Frère Jean-Louis a porté la correction. Mais jusqu'ici, je crois que c'est bon. Ouais, pour moi. Ézéchiel chapitre 28 verset 6 à 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Amen. Ça c'est quand nous prenons notre volonté, nous la plaçons dans celle de Dieu. Israël commence à te connaître pour lui. L'élite décide dans place de bon Dieu voyait ennemi sous yo pour dévorer yo. Je dis, et en tant que chrétien, les nous hors de la volonté de Dieu, les nous agir hors de la volonté de Dieu, eh bien donc, ce n'est pas des gens qui débarquent sous nous comme Israël, mais gon bagay y aurait les persécutions. Gon esprit aurait les Satan, le diable. Eh bien donc, bon Dieu ba yo permission. Bon Dieu ba yo permission pour yo persécuter nous parce que nous sortis dans volonté bon Dieu. Regarde, quand prend conscience et donc ou sorti et donc dans volonté pas ou pour entrer dans la volonté de Dieu, bon Dieu fait grâce, persécution ça yo écarté. Nous avons un exemple clair, oui. Saül est donc tourmenté par mauvais esprit. L'elle tourmenté par mauvais esprit, li voyait reler le serviteur de Dieu, le psalmiste David, qui vient jouer musique pour lui. Eh bien,
persécution écatil, esprit mauvais écatil. Mais kou li donc tomber encore dans moindre désobéissance, eh bien même esprit ça a vini encore, c'est David pour le courir voyer relé à tel point il était vle pour David rete la kaili. Il en est de même lorsque donc nous agis en dehors de la volonté de Dieu, eh bien Satan le diable il débarque sous nous. Quel est le souhait de Dieu? Le souhait de Dieu pour nous, les croyants. Le souhait de Dieu pour nous se trouve dans sa volonté. Il veut que nous fassions sa volonté. Il veut que nous demeurions dans la volonté. Il veut pour nous faire volonté. C'est une raison. Jésus, passé dans la prière dominicale, il apprend nous que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Alors, mes chers amis, ce que nous devons en faire pour donc être pour nous assurer que nous dans la volonté de Dieu, pour nous assurer que nous rester la caille bon Dieu, c'est pousser des racines, pousser des racines. Comment un chrétien capable pousser des racines? Eh bien, c'est là où permettre l'esprit bon Dieu diriger la vie, là où permettre Saint-Esprit prendre commande la vie. Nous avons cette chose que nous appelons télécommande. Télécommande ça, c'est lui même qui capable et sans donc frère Jean-Louis pas moyen aucun seul bouton là et puis il jouer télécommande là porter ça le besoin en bali dans appareil yo. Eh bien télécommande la vie nous li nan main Saint-Esprit. Et tant que nous approfondir racine nous dans la parole de Dieu, c'est tant que Saint-Esprit disponible pour le capable dit nous à gauche, à droite, devant, stop. Laissez Saint-Esprit qui prend commandement pour faire travail ça ou relé un chrétien qui enraciné dans l'évangile parce que n'importe vent pas capable pour aller parce que commande ou pas dans main on. Commande moi pas dans main madame moi. Commande moi pas dans mes petites moi, commande moi pas dans mes pasteurs, commande moi dans mes Saint-Esprit. Tant que m'obéis avec Saint-Esprit, m'rete dans la parole de Dieu, c'est tant que la vie m'a bien dirigé. C'est ce qu'on appelle dans un premier temps être enraciné en Jésus-Christ. Nous capables de continuer pour nous dire que agir ainsi t'évitera certaines tracasseries inutiles. Les ou la go nan men Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit, gen télécommande la nan men, alors gen commande la nan men, on pa di le télé, commande la nan men, et bien donc nous menons yon vie tranquille. Nous menons yon vie tranquille. Pa kon chante di ça? Ou était tranquille. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Même si les océans se déchaînent. Eh bien donc nous capables dire avec assurance, nous pas plonger, nous pas couler, ni nous pas terrasser parce que nous sommes enracinés. C'était dans la volonté de Dieu que le peuple Israël arrivait à traverser la mer Rouge. C'était dans la volonté de Dieu. Parce que Moïse connaissait d'autres chemins qu'il pouvait passer avec le peuple de Dieu. D'ailleurs, pour le temps, à Madian, ce n'est pas de la mer Rouge qu'il a traversé. C'est montagne qu'il a pris. Oui, c'est ça. Il connaît qui côté il a passé. Il a été fui, vraiment, ouais. Mais comment il n'a pas de namel, comment il n'a pas de l'Éternel. L'Éternel dit, campez là. Et lorsque le peuple s'est brouillé, a posé des questions, il dit, restez en place. Côté nous là, c'est l'Éternel qui dit nous pour nous camper là. Restez en place et vous verrez la délivrance que Dieu va vous envoyer. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'était dans la volonté, dans la grande volonté de Dieu que le peuple se campait devant la mer Rouge. Et c'était aussi dans la volonté permissive de Dieu que Pharaon poursuivi le peuple. Nous parlons de deux volontés là. Oui. Nous parlons de volonté générale de Dieu. Souveraine. La souveraineté de Dieu. Mm-hmm. Et
la volonté permissive de Dieu. Bon Dieu était qu'à bloquer Pharaon, mais faut qu'il était by Pharaon yon leçon. Remarquable, inoubliable. Le plus souvent, malheur rive nous en tant que chrétiens et moun critique nous. Moun dit c'est ça fait ça ne fait n'a payer. Mais non, nous rive trop loin. C'est peut-être dans la volonté permissive de Dieu pour que ça arrive. Pour que demain ça pas jamais répéter dans la vie encore. Pour ça pas jamais répéter dans la vie encore. Ou ka wè me frapper pied me tomber. Ou di ah, j'en homme ça t'a marché proche bon Dieu, il t'est qu'à tomber tout. Arrêtez de dire ça pour malheur pas arriver sur vous, pour faire Marie à pas arriver ou, lorsque Moïse et donc t'a marché avec bon Dieu, l'est tombé sous Marie parce qu'il t'est parlé mal. La loi la volonté permissive de Dieu permet que Satan frappe Job, même mettez Satan en défi pour te prendre que Job. C'était permission. Et elle pas prend permission dans l'espace, dans l'air, devant l'Éternel. Même là, elle prend permission. L'Éternel dit, bon, où m'est allé? Mais, attention, pas toucher qu'elle. Pas toucher qu'elle. Alors donc, mes chers amis, la question enracinée dans l'Évangile, gain pile a dit sous lui. Josaphat, gain exemple là aussi, donc nous capables de dire dans 2 Chroniques 20, verset 17, bon Dieu permet ennemi débarquer sous lui pour Josaphat ta loi que c'est pas pouvoir pâle qui capable combattre, c'est seulement présenté comme une copie et puis on a pas accepté ça non original là li nan copie hein copie en paraît la présente. Josaphat dit après avoir gêné, bon Dieu ouvre les yeux pour louer des milliards d'anges qui bataillent pour lui, les camper, les garder et les anges, bon Dieu, à bataille. Bon Dieu permet que l'ennemi en débarque sous lui et bon Dieu prend l'ennemi en yon leçon. Pourquoi? Parce que Josaphat est enraciné dans bon Dieu. Ou même avec nous besoin enraciné dans bon Dieu, même Jean à Moïse. L'Éternel dit nous camper devant la mer rouge pas capoter nous aller. Il connaît comment le fanni pour le faire passer. Et lorsque l'ennemi débarque sur vous, troupe débarque sur vous, bon Dieu, qu'on comment le défend nous, il y a des anges qui tout armé. Et puis, ça me remet dans l'Éternel. Plus, c'est que l'Éternel fait, messieurs, bataille youn contre l'autre. Youn bataille contre l'autre. C'est-à-dire, comment nous décarrer ça, serviteur? Divergence. Il y a une divergence. Mm-hmm. Donc, aucun qui pète dans le midi dans le flux là. Il y en a pour gonfler l'autre. Mais il y a un second qui dit là tellement fort. Je ne connais pas ce suspect. Je ne connais pas ce suspect. Je ne connais pas. Parce que nous-mêmes, l'homme, nous sommes tellement rebelles. Nous tellement rebelles. On dit que Moïse. T'es quitté là-bas déjà, il t'a fait route là, le compte chemin. Mm-hmm. Il compte chemin qui pas gagne la mer. La mer, oui. Et puis, les Moïse a cherché le peuple d'Israël là, l'Éternel dit les routes la mer pour le voir. Exactement. Des yeux le bali, il ne voit pas gagne route. Il ne voit pas gagne route. Mais l'Éternel parle, il l'étendait. L'étendait. Mais j'en ai même l'homme non rebelle. Valais moun qui rate des bénédictions, mon Dieu, préparé pour eux. L'Éternel parle avec eux, même parle avec nous, dit nous patients. Patient font titan. Mm-hmm. Des fois nous pas veulent tendre. C'est vrai. Hmm? Des fois nous pas veulent tendre. L'Éternel dit patient dans un an à délivrer. Au lieu que nous étendre dans un an, nous font vieux choix selon nous-mêmes. Nous font vieux choix selon nous-mêmes. Mais où nous compte les pharaons et Moïse avec peuple Israël ça, non seulement Moïse gain pression peuple Israël là dans col ou te gain date en Corée à Biram. Toi nèg ça ou te rend monsieur la vie impossible depuis dans déplacement obligé. Dans déplacement ouais. Yo gain l'armée pharaon derrière, la puissante armée du siècle. Puissante armée du siècle derrière. Et puis mes kounia là c'est la mer rouge et pas n'importe quelle la mer. Oh gloire à Dieu. La mer rouge devant mais l'Éternel dit passez là. Ou nous compte qui valait mon entend ça là. Qui t'a fait demi-tour? 100 pieds de profondeur. 100 pieds de profondeur. C'est pas chouette. C'est pas un jouet. C'est pas mais ça fait. C'est ça que fait. On va parler de la foi. Comment nous devons enraciner nous dans la foi? Hein? Comment nous devons enraciner nous? Quoi les l'Éternel parle? Parce que normalement, si vous vraiment dans la prière, l'Éternel parle avant de connaître l'Éternel qui parle avant.
ou de suivre l'instruction de l'Éternel. Mais nous, toujours, les plus souvent, mettez déclaration ça, nous toujours mettez en doute comment l'Éternel a conduit nous, a dirigé nous. Je vais prendre une minute, Maïsou, une seconde. Allez-y. Une minute, je vais prendre. Bien mes frères et sœurs, nous avons plein de monde qui branche sur Facebook et sur YouTube là, plein de monde. Nous n'avons pas de fin de salier. Nous avons salier vite fait pendant nous prêter une minute dans Maïsou Sauveur. Nous avons salier Lilin Gisme qui branche ensemble avec nous, bien aimés. Nous avons l'importance de la foi et côté nous brancher la parole, c'est tellement important, nous avons besoin qu'on aime. Parce que l'Éternel ne peut pas être devant nous physiquement pour parler avec nous. Mais c'est comment nous étions dans la sainteté, dans la persévérance et puis dans le temps de voir, la parole avec nous. Soit Dieu clair ou endormi. Nous comptons l'initiation ensemble avec nous. Nous saluons le pasteur Josa qui joue le technicien. Je dis à pasteur Josa qui joue le technicien à distance. Voilà Dieu. Là, tu fais ça. Tu as dit à pasteur Josa, tu fais ça. Nous saluons, cher pasteur. Nous saluons. Bonsoir, pasteur. Merci pour le bel texte que vous voyez. Merci pour la salutation. Vous voyez pour nous. Nous comptons, mon Dieu. Nous saluons à toute madame. Mon petit tout. Merci, Manilia. Nous saluons Marie-Martine Fortinade. Bon Dieu, béni, Marie-Martine. Au grand plaisir. Nous saluons aussi. Et une déclaration de fait, tu as parlé de la foi, parce que vous avez dit amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous saluons Jack Enoch. Bonsoir, Jack Enoch, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Nous comptons ensemble avec nous. Saluons à toute madame et madame en Haïti, petit tout, et maman, papa, frère, soeur, un peu partout. Et tout le monde nous partage l'émission, ça nous salue. Nous saluons Ousvel Albert. Bon Dieu, bénis Ousvel. Nous comptons ensemble avec nous. Manelia Silis, vous en pile message tout. Nous comptons, bon Dieu, bénis. Nous saluons Steven Rosiliana. Bon Dieu, bénis Steven. Au plaisir. Nous saluons à toute Marie au petit. Nous saluons Ursule, chérie. Bonsoir, ici, chérie. C'est maman. Ah ouais? Maman chérie, nous saluons. Que bon Dieu bénisse à toute papa chérie. Félicitations. Bon Dieu bénisse, nous contents. Ou même qui en anonymat, nous prenons plaisir pour nous saluer à suivre avec belle parole. Ça, la foi. La foi, bien aimée, sous quoi la donne? Jean et Moïse t'a fait offrir même genre. Jean et Élie t'a fait offrir même genre. Jean et Élisée t'a fait offrir même genre. Jean et Shadrach, Meshach, Abednego t'a fait offrir même genre. En pile d'autres encore, même non, mais non, qui ça. Nous saluons Madianit, nous saluons Frère Simon Montas, nous saluons Fanny, nous saluons tout le monde qui est anonymat à la Honbade, Jean-Okondi, nous saluons Milfodol, Milodolis, bon Dieu bénou, Nerili Joseph, serviteur de Dieu, nous saluons à toute madame, au petit tout, nous saluons Jocelyne Rémy, Erima Prima, bonsoir, Dachtine Antoine, bonsoir, Marie-Julienne, lui, bonsoir, Cynthia Belleus, bonsoir. Mille fois Janat, bonsoir, au grand plaisir. Lovalosier, bonsoir Lovalosier, au plaisir, nous contactons ensemble avec nous, c'est un plaisir. Erilis Pierre, bonsoir, bon Dieu béni, bien aimé, pas oublier, partager, commenter, le voyez, j'aime, voyez, like, sous pourquoi abonner, chez la Gilles, frère Wilfried Joseph, bonsoir, bon Dieu béni, nous, toute famille en nous saluant, nous bien aimé, étude de la parole de Dieu, ici Maïsou Sauveur, Ilis, le PDG de l'émission, Chandelier d'or. Un chrétien doit être toujours prêt à écouter Dieu. Moïse a réussi en écoutant Dieu. Josaphat a réussi en écoutant Dieu. David a réussi en écoutant Dieu. Paul, déplacé dans Actes chapitre, depuis dans chapitre 22, a continué. Paul, coûtait bon Dieu. Il a arrêté la prison. Et puis dans nuit là, pendant l'abdormi, l'ange de l'Éternel dit, c'est quelqu'un qui était enraciné dans la parole de Dieu. Et donc l'esprit de Dieu dit, Paul, faut qu'on entre dans Rome, faut qu'on aller à Rome pour capable à le présenter devant la nation. C'est une raison lorsque bateau a sorti pour faire naufrage, il est sorti pour envoyer moun dans la mer pour allégé batoua. Paul dit attention, pas gen youn nan nou pral péri, même cheve nan tête nou pa praché, nou gen pour nous atterri. Et parce que pendant m'ap dormi, mais ça me recevoir. Capitaine nan te koute Paul, li pa voye personne nan l'eau et jusqu'à ce que yo t'al atterri nan ville nan Malte. Et lorsque yo rive nan ville Malte, Freddy nan koyo. Paul dit, je ne peux pas quitter personne, mourir. Et donc, en bas, Freddy, il a cherché paille. Il a cherché
paille pour capable chauffer braio qui gagne de l'eau là-dedans pour capable chauffer moun yo ensemble avec ouais. Parce qu'il te gon responsabilité frère Jean-Louis leur gon responsabilité faut ou pas la faut assumer responsabilité yo. On sait pas que t'es caché en bas paille là chauffer li prend pas même Paul te getan allumé le feu li balancer serpent lagué dans du feu kounya yo pral tann pour Paul mouri. Parce que puisque c'est pas modèle l'a mouri mais yon bagay que ou pas comprendre c'est que le Saint-Esprit qui dans Paul là il était déjà yon dit fait dans Paul et ben venir pas qu'à faire Paul rien les yo attendre Paul pour Paul tomber enflé tomber les yo gade yo Paul debout pired yo dit ko la la ça c'est un dieu ça son dieu nom ça son dieu qui est lié laissez-moi dire l'encoué dans la parole de Dieu ou capable dit dans les jours de l'adversité Dieu prendra soin de moi pas à pas ma main dans sa main Dieu prendra soin de moi tout ça provient dans l'écoute de Dieu Paul bon Dieu parlait l'écouter malgré toute péripétie il dit m'gain pour m'river dans Rome pour annoncer la parole ainsi dans Romains chapitre 10 verset 16 à 17 nous trouvons ces fameuses paroles mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle ça c'est parole Ésaïe révélée par Paul mais tous n'ont pas été obéis à la bonne nouvelle du Seigneur qui a cru à notre prédication ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, mes chers amis, le coût de la parole divine, aussi la parole humaine, parce que moi qui parle derrière ce micro, je suis homme, je suis un humain, je parle, mais je parle quelle parole? La parole de Dieu. Maintenant, ne croyez pas en moi en tant qu'une chair humaine, mais croyez dans la parole que j'annonce ce soir, disant que si vous êtes enraciné dans la volonté de Dieu, vous n'avez rien à craindre, puisque le Sauveur merveilleux, le fameux Sauveur merveilleux, donc est au contrôle de votre vie. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5, on n'avait pas besoin d'y aller, mais seulement noter comme les chrétiens de Béret, pour que vous puissiez reviser après l'étude. L'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Attendez, frère Jean-Louis, ta belle parole ça hier soir. Eh bien, ça c'est fumier qui permet ou capable racine nous capable approfondir dans l'évangile. L'amour, écoute de la parole, quelle parole? La parole d'amour que l'Éternel nous a laissé. Cet appel, l'écoute de la parole, est une manifestation, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et bien donc il ne faut pas se borner à écouter. Et tout ça, ce sont des moyens pour pouvoir plonger notre racine donc, dans la volonté de Dieu. Comment le croyant de l'évangile peut-il enraciner dans la vie chrétienne ou dans la foi? Un, en écoutant la parole de Dieu. Alors donc, il ne faut pas négliger cette parole, mes chers amis. Et si ce soir, nous prenons le temps et donc pour partager cette parole, c'est parce qu'il est important d'écouter la parole. Dieu a dit une parole qui me fait rire, c'est Deutéronome 30, verset 19. Frère Jean-Louis, est-ce que vous comprenez? Okay. Deutéronome 30, verset 19. Parole, ça a fait rire. Mon quoi parole, ça a tout, libre le fort, rire. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
La bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. L'auteur a dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et pourtant, quand nous avons des gens qui ont sémenté sous le ciel, des gens qui ont sémenté sous terre, tu ne peux pas faire. Il suffit d'écouter et d'utiliser ces deux mots de trois lettres de chacun. Oui, non. Dis oui ou bien dis non. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Parce que Dieu a déjà le ciel et la terre pour témoin. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin le ciel et la terre pour témoin. Maintenant, vous avez pour devoir d'obéir à la parole de Dieu. Pas seulement ni sous ciel là, ni sous terre, parce que c'est trône, mon Dieu. Ni sous terre là, parce que c'est marche-pied, bon Dieu. Mes chers amis, j'ai deux conseils avant de continuer. J'ai deux conseils à nous transmettre, parce qu'ils sont pour moi aussi les conseils. Premier conseil, tenez ouvertes vos oreilles à l'écoute de Dieu. Prenez le temps d'y entendre ce que Dieu dit. Deutéronome 32, verset 1, 2. Makil. Deutéronome 32, verset 1, 2. Deuxième conseil. Consacrez du temps à l'écoute de la parole de Dieu dans la Bible. Consacrez du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez Dieu qui demande de l'écouter. Cela rejaillira ensuite dans votre vie quotidienne. Et c'est ce que nous venons de lire, donc, et révélé par Paul dans Romains chapitre 10. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous vous bornez à écouter la parole de Dieu, votre foi est stoppée aussi. Et puisque votre foi est stoppée, l'y arrêter de marcher, l'y arrêter de grandir, l'y arrêter de croître, eh bien, racine nous commence à faner. Et depuis racine nous commence à faner, qui ça vete pral faire, vete pral couper. Et puis depuis vete couper racine nous, qui ça abla pral faire, abla pral tomber. Pour rester debout, faut ou rester. Premièrement, à l'écoute de la parole de Dieu, en lisant la Bible, en lisant la parole, même sous téléphone ou en lit parole là, les ouvre un texte bas ou prend temps, lis et médite le et pas qu'il kembe le pour partager le. Donc, passer du temps avec Dieu, ça fait aussi que nous pousser racine. Et lorsque ennemi en te kwe dormi, nous t'ap dormi, pourtant, c'est prier, nous t'ap prier, li pousser nous, eh bien, li rencontrer avec zo grand ni. Nous voyons que la parole de Dieu lui-même, que nous lisons, dit la parole fait chair. Jean, chapitre 1, la parole fait chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et plus tard, Jésus pral augmenter bagay la, li pral jeter un fumier dans bagay la, qui pour faire bagay la vin pi belle encore. C'est le campé dans Jean chapitre 6. Et côté il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est dans cette parole que je vous conseille, que je nous conseille, donc, de serrer dans notre cœur cette parole, serrer parole ça dans le cœur nous, et de peur que pour nous capables plonger, comme dit Psaume 1er, pour nous capables plonger, hein, racine nous dans de l'eau vivante. Qui c'est Jésus. Non seulement ses paroles, non seulement ses pain, mais c'est de l'eau aussi. Et nous capables de dire, nous pas manquer en rien, parce que si gain de l'eau, si gain pain, nous pas manquer en rien, mes chers amis. N'est-ce pas vrai? Nous pas manquer en rien. Jésus c'est pain,
Jésus c'est de l'eau, eh bien, li te fait chair pour te capable vin présenter nous parole ça. Et donc parole ça, et c'est lui-même qui gagne la vie la donne. C'est parole ça qui gagne la vie la donne. La parole de la Bible donc que nous lisons, ce n'est pas n'importe quelle parole, je l'avais dit déjà. C'est une parole efficace. Une parole qui agit et une parole qui a du poids. Je reprends, c'est une parole efficace, sans défaut. C'est une parole qui agit. Dans le psaume 107, je crois que psaume 107, un verset qui dit que j'envoie la parole et la parole court avec vitesse, ouais. Avec rapidité. Regardez verset 20, vous voyez ça le dit. Psaume 107. Je ne crois pas. Il envoya sa parole. Exactement. Et les guérit. Mm-hmm. Il les fit échapper de la fosse. Exactement. C'est-à-dire, parole ça a tellement puissant. Les paroles là, les nous voyer paroles là, les nous lancer paroles là agit. Me rappelle, il y a un côté dans l'acte des apôtres. Il y a un monde qui a un monde malade. Elle présentait devant Paul avec un mouchoir, un bagage comme ça. Mm-hmm. Paul priait sous mouchoir. Il mettait la parole sous mouchoir. On va dire mon fait ça vous dire parce que chaque c'est la foi. Et voilà, c'est chaque moment gagne un moyen donc gagne un moyen bon Dieu utilisé donc pour approfondir la foi des gens dans lui-même. Il priait sous mouchoir et puis il ba moun nan mouchoir, les moun nan rivé, il passait mouchoir sous malade là et malade là les guéri. Parfois c'est ombre Paul qui passait sous malade là guéri. C'est-à-dire, parole là tellement puissant. Je vous dis, je ne pas dire que prier sous mon choix, vous voyez, mais si Saint-Esprit dit, vous faites le fait. Mais pas prendre comme coutume. Paul te fait, m'a fait tout. Nous poursuivons. C'est Acte 19, verset 12. Acte 19, verset 12. Mm-hmm. Alors, comme on a parlé d'enracinement, c'est ça? C'est ça le mot? Mm-hmm. Enracinement dans la foi, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. La Bible révèle 4 types de racines qu'un chrétien doit pousser. La Bible révèle 4 types de racines que un chrétien doit pousser. Ou doit pousser 4 racines ça yo. L'aime de l'école, yo te apprendre moi en non racine yo même blié yo. Même songer gen youn qui descend droite dans terre. Et les rive en bas, li fait li pousser des cônes. Ça nous relé les racines principales. Youn c'est racine principale. Et après ça gon paquet racine qui abordé dans racine principale là qui tout au tout là depuis en bas monté. Des fois les sec tombé ou était à craquer, était à fondre. C'est racine là qui tellement puissant dans terre qu'a résisté. Donc mes chers amis, en tant que chrétien, nous devons pousser des racines. Alors il y a 4 types de racines que la Bible révéler. Nous espérons que nous avons en well avant de terminer. Premier type racine, frère Jean-Louis Lirele, enraciné en Jésus-Christ. Enraciné en Jésus-Christ. Et nous venons dans Éphésiens 2, le verset 6 et le verset 7. Éphésiens 2, verset 6 à 7. Enraciné en Jésus-Christ. Frère Jean-Louis a cherché le texte là pour le capable porter pour nous parce que aucun doit pas gêter l'île et tellement à courir à gauche à droite. Éphésiens 2 verset 6 à 7. Amen. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Enraciné en Jésus-Christ. Lui ici c'est Jésus-Christ. Étant enraciné et fondé en lui et affermi que là par la foi d'après les instructions et qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Christ lequel existant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi enraciné en Jésus-Christ? Parce que Jésus était venu sur la terre
il a dépassé ou surpassé les sentiments humains. Ou konnen le on moun ap viv avec sentiment seulement, li metel li di li son moun a part et donc moun li pa mélange à moun et ça fait les Jésus et avec et pharisien yo l'a mangé yo di l'a mangé avec moun sa yo lorsque li avec et pécheresse là yo di gade li a marché avec pécheresse là s'il te kon moun sa li pa d'ap exemple la preuve en est bien grande et donc et Marie qui te gen des mauvais esprits hein lorsque Jésus invité Kay Simon Simon te présente vraiment yon bon plat pour Jésus. Yon bon plat pour Jésus. Mais elle pas te laver pied Jésus. Mm-hmm. Marie vini avec glou dans yeux lorsque elle a rappelé comment elle t'est humilié, comment moun patwel, comment li te prend la houille avec mauvais esprit, li a et donc paraître gratitude li devant bon Dieu, devant Jésus et puis li va aller chevel. Li souillé pied Jésus. Pendant que yo même y a réfléchi qui moun mari ça a été qui moun mari te mais ou pas wè humilité yo pas wè humilité yo pas humilité Jésus dit c'est pour nous prêter sentiment li vin ak sentiment papa li même li vive ak sentiment papa et apôtre Paul li mandé et Éphésiens et Philippiens yo li mandé yo pour yo vivre même Jean Jésus te vive c'est ça où il est enraciné en Jésus, là ou gen sentiment Jésus, là ou gen l'esprit Jésus, là ou gen caractère Jésus ou enraciné dans Jésus. C'est-à-dire tout ça Jésus fait et c'est lui pral essayer fait. Enraciné en Jésus. Christ lequel existant en vous les sentiments qui étaient en Jésus dans un autre texte, il dit il a pris la forme de Dieu. Il a pris la forme de Dieu. Mais il n'a point regardé comme une proie à arracher être égal à Dieu. Mais venant semblable au même, en prenant une forme de serviteur. M'était tout bien à servir l'église. Et puis coup pasteur fin prier pour moi comme évangéliste. Maintenant qu'on y a m'baoué pasteur encore, qu'on y a moi-même, là pas gain humilité, m'pa prend forme Jésus. M'pa prend forme Jésus là, m'pa prend sentiment Jésus. Là m'pa enraciné. Par contre, vous comprenez frère Jean-Louis. Oui. Là m'pa enraciné. Qu'on y a m'c'est évangéliste ou bien m'c'est diacre ou bien m'c'est ceci, et ben donc m'pa pasteur encore. C'est une raison aujourd'hui. Ou en pile ti l'église parce que grand pile évangéliste yo pa vle rit sou l'ordre encore koun ya yo même yo formé yo pon ti équipe yo pati avèl. Jésus pa te fè ça à Jean-Baptiste. Jésus pa te fè ça à Jean-Baptiste. Jésus rete nan ligne l'a suivi Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste te relé prédécesseur. C'est Jean-Baptiste qui te vini avant Jésus. Sans vent Jésus, maintenant les Jésus vini, Jésus respecte l'inan. Je dis à m'de respecte l'in évangéliste, m'de respecte l'in diacre, ou de respecte l'in maestro, retenant cadre que Saint-Esprit place au lan. Là ou humilié ou prend forme de serviteur ou rete dans sentiment Jésus. À tel point là, Jésus a dit Jean-Baptiste pour baptiser. Jean-Baptiste dit non, c'est moi qui pour venir jouer nous pour baptiser. Et ou mon vin jouer moi pour me baptiser. Jésus dit ah mon cher quittez sa fête comme ça c'est bon Dieu qui voulait pour sa fête comme ça humilité je dis à ou fin prier pour frère ou consacrer demain c'est lui qui a bon problème dans l'église là Seigneur bon Dieu le jour où ta ouais me sorti pour bail problème dans l'église si c'est jour qui rivait aller avec m'la pour obéir à la parole m'la pour marcher selon principe selon sentiment Jésus-Christ lorsque Jésus a fait miracle Jean-Baptiste te gonti doute toujours li gonti doute toujours li voyait contre Jésus est-ce que c'est où c'est où tu es pour venir qui est-ce qui t'a parlé de Jésus qui est-ce qui a annoncé Jésus est pour venir. Qui est-ce qui te joue mon yora serpent? Qui est-ce qui dit nous pour nous fuir colère de Dieu? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, je dis en Livindi,
disciple par là, allemand de Jésus, est-ce que c'est lui qui est pour venir? Humilité de Jésus pas répondre pas oui. Il dit Aldil, sous-tendé, aveugle, ouais, boite marché, bébé parler, Aldil, parce que c'est ça que tu es dans annonce pour faire Esaïe te faire là. Esaïe 35. Exactement. Et maintenant, Jean-Baptiste compte ça très bien. Maintenant, Jésus dit, de pour dire, signe ça, il y a comprendre qui moun. Il a pas besoin de dire l'autre bagaille. Ça, c'est ça que tu prononcé. C'est ça que tu annoncé. De messieurs, ça eux, tous les deux étaient humbles. Ni Jésus, ni Jean-Baptiste. C'est ça la racine. C'est, Jean-Baptiste, disciple, il vient dire, mais le disciple Jésus, et a monté l'estomac, il voulait passer et puis walker nous-mêmes. Jean-Baptiste dit, pas inquiète, il faut me diminuer. Pour les bibliques à passer monter. Parce que le travail qui vient pour faire là, ce n'est pas pasteur Josa qui a fait. Ce n'est pas pasteur Serge qui a fait. Ce n'est pas pasteur Percy qui a fait. Ce n'est pas pasteur X qui a fait. C'est prédécesseur, successeur. C'est successeur là qui a fait. Oui. C'est successeur là qui a fait. Alors donc, mes chers amis, faut nous d'accord posséder ça que nous les sentiments de Jésus-Christ. Enraciné en Jésus-Christ. Deuxième racine qui n'a enseigné à Soya, deuxième racine. Alors, dans la première racine, il y a un pile détail que Paul a fait dans 2 Corinthiens 5, 17. Quand il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des gens qui sont baptisés. Il y a des gens qui sont gros membres de l'église. Il y avait même gros dames missionnaires. Et puis, l'hypoco converti. L'hypoco converti. Parce que nous prenons bagaille là à l'envers. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Frère Jean-Louis, qui était Jean-Louis hier, ce n'est pas lui aujourd'hui. Peut-être que quand on a quelques amis, il a dit, et pas Jean-Luc de Mikosa. Et pas Sauvec de Mikosa. Oui, c'est nous. Il y a une transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Sortez qu'on aime qu'on est en, l'y passé. Parce que la présence de Jésus l'y efface. Parce que l'écriture, et donc, qui là pour nous, c'est pour porter changement. Autrefois, nous étions dans ténèbres, mais maintenant, nous sortis, nous quittons cadre. Ténèbres là, nous vînons lumière. Et je dis, on a efforcé nous pour nous marcher comme des enfants de lumière. Deuxième racine. Apparemment, tu as besoin de bagaille. Excusez-moi, Maïsou, si je me dérange. Allez, vous avez libre droit. Pendant que tu as parlé des monde qui converti ou bien qui pasteur, qui prédicateur, évangéliste et qui pas converti. Ouais. Qui pas converti, c'est-à-dire qui pas mettre foi chrétienne en application ou bien si nous t'as regardé dans Jean chapitre 13 verset 34 là, côté Jésus dit moi bah nous un nouveau commandement, un commandement nouveau. Pour que nous entraînons pour yon remen l'autre. Comprends? Mais là nous regardons bien. La majorité de monde qui porte non soyons évangélistes soyons pasteurs au lieu qui ouais signe conversion la caille ou est c'est signe orgueil qui la caille signe orgueil c'est signe orgueil qui plus la caille du fait qu'il même bon lui même dit c'est pasteur ou pas gain droit pour trop entrer sous lui ou pas gain droit pour trop aligner avec histoire d'alimentation m'pa vle quoi aligner avec m'pa vle tout. Si c'est moi que là pour c'est moi qui a fait parce que c'est pasteur ou bien c'est madame pasteur c'est où pour camper sous des pieds pour faire est-ce que même ça me donne moi ouais ça répéter plusieurs côtés dans beaucoup d'assemblées moi ouais ça et puis après Saint-Esprit lui-même pas supporter comme Jésus dit Pierre pas prêter sous Pierre faut le renverser. À un moment donné, il peut le renverser. Oui. Vous comprenez bien? Mon ou madame pasteur, mais vous pensez que son monde qui était bon conseil là, c'est lui-même qui pi pas bon,
C'est lui-même qui a un orgueil qui a ravagé, qui a fini avec elle. Ah ben, moun sa, c'est moun qui plus a poussé pour ta chuter. Sous ta dit que c'est l'oubre à limiter. Sous ta dit c'est lui. Est-ce qu'on t'a dit ça, Mathieu Abaïs? Sous ta dit c'est moun sa wap suivre pour faire l'évangile. Ah ben, c'est moun sa qui a poussé pour chuter plus vite. Parce qu'il a un orgueil qui dépasser les bonnes, dépasser par les événements, l'OS a tombé dans le découragement parce qu'on a dit, mais côté exemple là, il a. Côté exemple là, il a. Côté capable de suivre, marche à suivre là, traçabilité là, qui me t'avle prendre, côté lié. Est-ce qu'on a mis ça? Non seulement il y a orgueil là, il y a une hypocrisie là qui là. Orgueil plus hypocrisie, ça prend égal à dégâts. Orgueil plus hypocrisie égale dégâts. En pile l'église qui sépare, en pile l'église qui divise, en pile l'assemblée, pour nous dire de préférence, qui divise, c'est orgueil plus hypocrisie qui n'en dirige nous. Au lieu pour nous mettre ensemble ou camper comme un i, ordonnez frère, ordonnez, et puis dans quatre côtés liés. Balion, nous avons un bel exemple, pasteur Jean, baille dans la communauté évangélique. Là. Ça qui ça celle-là, il mettait en l'église à celle. Ça qui Goussainville, il mettait en l'assemblée Goussainville, et puis nous, ou pasteur. Ou pas séparé, ou pas divisé avec elle. Eh bien, nous tout était là. Eh bien, il y a un grand rassemblement. Tout le monde rassemblé dans le tabernacle. Mais gonti l'église à quoi, gonti l'église. Mais non! Ou pas rien droit ordonner, pas ordonner parce que faut m'rester le seul. Pour combien de temps sur la terre? Orgueil plus hypocrisie égale déblosaille. En pile ti assemblée maintenant. Quelquefois, parce que pour m'quitte là, quelquefois, m'a tendu une parole qui a parlé, pas une parole comme preuve, mais moun qui dit ça et pas moun qui a inventé. Gen madame pasteur qui gen lève à fond photo pour le voyer ba Marie-Li. Et puis pendant la fait photo puis voyez by Maril men chapé c'est non groupe li voyez photo intime ni oui pour le voyez by Maril. Maria même dans ca ensemble avec lui. Maria dans ca ensemble avec lui la voyez pour le by Maril voyez by Maria et puis qui est côté photo elle tombé feeling la gâté il a tombé dans le groupe. Est-ce qu'on a nous monde qui dans groupe ça qui dit que c'est madame pasteur ça yo besoin suivre comme exemple. Si yo ta besoin conseil, si yo ta gon conflit en dedans ka elle avec Mario, ou ni assez madame pasteur ça pou yo ta rele. Hein? Si ta gon conflit nan famille ou bien non activité kote moun n'a travail, li besoin conseil. Non kote la vente, li besoin conseil, li gon l'autre moun kon voisin, bien kote la habiter, li besoin conseil. Ou ba li c'est moun so ou rele. Hein? Est-ce que moi même ça nous? On y a pral tomber dans désarroi pas possible. Ah, faut que nous fassions attention. Faut que nous fassions attention. Bleu, peut-être t'allais à m'appeler un message pour me demander, madame, moi, est-ce que lui a vu mon frère Jean-Louis? Mais pourtant, qui côté mieux m'a envoyé message là? C'est sous page frère Jean-Louis à mieux. Et l'homme finit envoyer message là. Moi, c'est frère Jean-Louis qui m'envoie le bail. Mon courrier facile. Même que dans l'île. Même mes amis, écoutez, si c'est un bagage déplacé qui me dit. Maintenant, frère Jean-Louis, pas t'ap dit rien, mais il t'ap gen prend téléphone ni. Parce que pas gen chrétienne de la caille, il pas converti. Mais non, li t'ap dit son erreur. Et il t'ap prend li même li facile. Li t'ap dit son erreur. Donc, mes chers amis, en pile fois, donc, gen bagay qui entre comme conflit, c'est pas comme conflit de te présenter, mais li vin devenir conflit. Faut que nous humbles. Takou madame photo madame pasteur ça qui tombé dans groupe là des voix groupe là si c'est moun converti que t'es la dan yo t'a courrier oui, facile bien, oui. Et puis prend téléphone rele madame pasteur ça passé et là ça madame pasteur t'a pral dit son feeling que m'ta bay marim mais elle tombé dans groupe là bon on va comprendre comment ça passé bref le enraciné dans Jésus ou gen sentiment Jésus là ou femme samaritaine ou gadel comme la bonne femme. Lor gado ou ezache, ou gadel comme yon bon moun. Parce que parole qu'on pral bali a pral transformer. Sentiment Jésus, li te vini chercher et sauver ça qui te perdu. Maintenant,
Et quelle est la responsabilité de l'Église? La responsabilité de l'Église, c'est aussi aller chercher et sauver ceux qui sont perdus ou ceux qui étaient perdus. Enraciner dans la parole, c'est le deuxième enracinement que nous te voulons parler à soi. Enraciner dans la parole. Depuis nous te commencé là, c'est de la parole que nous avons parlé. Mais nous avons seulement fait un résumé pour nous dire, ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul t'a enseigné la parole ça à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, oui, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire, c'est bon de souffler parole ça pour messieurs ou te mettre à l'écrit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé et écrit de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et après, nous dit parole ça, pas n'importe quelle parole. Ces hommes venaient de milliers de très différents bergers, David, rabbins, des maîtres, prophètes, apôtres, rois, pêcheurs comme Pierre, médecins comme Luc, etc. Donc, nèg sa été engagé lorsque l'Esprit a soufflé sur eux pour yo mettre parole là à l'écrit, comme Jean dans la ville de Patmos. Cette Bible que Dieu a préparé pour nous. Donc quand Jean te joint dans vision, faut li manger livre ça. Dans bouche li était amer, mais elle était entrée dans ventre li, il était bon. Gen quelques fois parole la tombé dans oreille ou senti ou découragé parce que parole là c'est découragé pour même c'est son parole qui pas doit tomber dans oreille ou dans jour ça. Considérons nèg qui sont volés hier soir par exemple et jodi a nous parler des voleurs ou senti nous blessé ou. Mais lorsque c'est la parole qui touche ou des voleurs ça on pas trouvé ou a dit c'est bon Dieu craint même alors donc écriture ça qui lit jodi a lit pour bien faire non moins c'est ce qu'on appelle trait à la conversion c'est-à-dire lorsque on convertit parole la vini et donc comme blessure pour même et bien étant donné que ou besoin repentir et bien on quitte parole là traverser ou à soya écriture li là pour traverser ou il est le traverser ou c'est guérison qu'il porte pour ou parce que ou gagne nanmou pour capable sauver parce que bon Dieu pral mando compte pour nanmou c'est cette Bible la parole de Dieu qui nous enseigne. Donc, qui nous montre le chemin de la volonté de Dieu, qui est là pour nous convaincre. C'est-à-dire, lorsque nous dévions du chemin de la volonté de Dieu, lorsque nous dévions, lorsque nous dévions chemin de la volonté de Dieu, la parole est là pour être capable de convaincre nous, pour dire nous convaincre et nous dévier de la parole de Dieu. En parlant de l'instruction, toujours de Timothée 3, verset 16. Eh bien donc, c'est pour nous garder sur le chemin de la volonté de Dieu. Pour nous garder sur le chemin de la volonté de Dieu. L'instruction de la parole de Dieu. En plus, c'est Dieu qui nous parle, nous dit qu'il nous aime. Jérémie 31, verset 3. Il nous aime. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour que Dieu pour nous, donc conserve la bonté de Dieu pour nous. Premièrement, besoin enraciner en Jésus-Christ pour qu'un sentiment Jésus. On ancien bon la carrément qui te connaît les monde, qui te connaît dit monde. Mon pas un sentiment papa ou non, ou pas un sentiment maman. Koto joigne, koto prend. C'est-à-dire papa t'es humble et lui-même les brigands. Koto. Eh bien, nous devons avoir le sentiment de Jésus. Deuxièmement, nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu, c'est-à-dire enraciner dans la parole. Troisièmement, nous avons besoin d'enraciner dans l'amour.
Ephésiens 3, verset 16, 18. Nous ne prenons pas l'île ou va l'île la caillou. La Bible nous enseigne qu'il est très important de nous appuyer sur les vérités profondes de la foi. C'est pourquoi Paul a prié pour que les Éphésiens soient enracinés et fondés dans l'amour. Un chrétien sans amour est un chrétien sans racine. Un chrétien qui pas gain humilité la caillou ou c'est un chrétien sans racine. Un chrétien ou un monde, pardon, au lieu de dire un chrétien. Un monde qui pas gain crainte de la parole de Dieu la caillou ou c'est un monde qui sans racine. L'amour est un attribut divin. L'amour est un attribut divin. Alors souvent nous parlons de l'amour et donc pour faire exécuter nos propres désirs. Toute relation qui ne serait pas fondée sur l'amour est fragile. Ainsi en est-il de la relation entre l'homme et Dieu. Relation entre l'homme et Dieu, s'il fait sans l'amour, nous dit son amour fragile qu'il y est parce que son amour qui pral faner tout à l'heure parce qu'on besoin rester en relation avec papa ou qui gagne tout pouvoir sous même nom. Et la Trinité même donc parler de l'amour, c'est-à-dire le Père, Jean 16 verset 27, le Père lui-même vous aime. Deuxièmement, on prend le Fils. Le Fils lui-même vous aime. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. En parlant de Jésus qui a donné sa vie pour nous. En parlant de Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aime. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Quatrièmement, pour finir, enraciner dans l'Église. Enraciner dans l'Église. Premièrement, nous dit enraciner en Jésus. Deuxièmement, nous dit enraciner dans la parole. Troisièmement, ça nous dit enraciner dans l'amour. Quatrièmement, enraciner dans l'Église. En Corinthiens 3, verset 11, tout le monde verset ça. Puis qu'a personne abandonné assemblée. Puis qu'a personne abandonné assemblée. Pour qui ça, l'apôtre Paul, lui enseignait ou lui conseillait Corinthiens, pas abandonner assemblée, comme yo qu'on a habitude fait. C'est parce que dans l'assemblée, là, ou gen un club zanmi, ou un club chrétien que nous formons ensemble, soit dans l'école du dimanche, nous partager ensemble. Donc, nous partager témoignage ensemble, nous partager vision ensemble, nous partager amour ensemble. L'or quitter assemblée là, ça peut être chagrin. Voilà pourquoi, ou pas doué abandonner assemblée. Et apôtre Paul connaît que ou pas qu'à vivre pour compte. Ou vie chrétienne, non, frère Jean-Louis, pas qu'à mener dans l'une. Seul. Seul. Li pas qu'à mener seul. Faut que nous formions nous ensemble. Faut que nous mettions nous ensemble. Et donc, pour nous capables d'avancer ensemble. C'est ce que la Bible appelait positionner. Ou pas qu'à jodi a, ou te jette semaine, dimanche prochain, ou nazaréen, dimanche après, ou charisma, dimanche après, ou union baptiste. Non, ou pas chenille. Chenille mange dans tout jardin, papillon promène dans tout jardin, mais un chrétien se nourrit dans son assemblée. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas visiter une autre assemblée un jour. Moi, j'ai l'habitude de faire. Je ne peux pas dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, ou qu'à faire une fois, ou qu'à faire deux fois, mais pas chaque dimanche. Il vous faut vous positionner. Il faut qu'on ait pasteur ça c'est mentor, pasteur ça c'est chef et non moins, pasteur ça c'est conducteur, pasteur ça c'est berger. Jésus est le bon berger, mais il a placé des petits bergers. Il faut s'enraciner dans l'Église. Gen moun ki pa konn nan ki l'Église li marché. Gen moun ki pa konn ki moun ki pasteur. Parce que depuis le temps de poudoum, 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 li passe, li rentre. Et comme si m'te ka dit son moun ki non désert, depuis le temps dont si de l'on côté, le courir rentre là-dedans. Non, il vous faut vous positionner. Faut qu'on assemble ou persévérer. C'est pas moins dit. Faut qu'on assemble ou persévérer. Oui, m'ka suivre sur YouTube.
mon ka suivre sur Facebook, mon ka suivre. Oui, ou ka suivre. Yon jour, yon dimanche comme ça, ou gen un petit problème ou pas l'église, ou ka suivre. Lorsque dans l'église, tout ou ka suivre, mais ou gen un assemblée pour nous. Il vous faut vous positionner là où vous positionne, c'est votre assemblée pour ces racines là. Participez dans l'école du dimanche. Participer dans le choral, participer dans tout ça qu'a fait dans l'église là. Pour ses racines, lorsque Satan croit que ou son monde qui était sans garde, lorsqu'il voulait attaquer, Damdo Kasla répond boy site, vive Jésus pour vous, pasteur, priez pour vous, priez à bénir, priez à monter, parce que ou enraciné. Ou enraciné. Alors mes chers amis, la question de ce soir, qui genre de chrétien ou yé? Est-ce que son chrétien sans racine ou pas qu'a produit? Parce que mangou pied mangue ouk bay bel manglan, c'est parce que racine ni joine. Hein, li soucé dans terre, eh bien pour manglan capable yon bon mangue pour pas un mangou vert. Excusez-moi l'expression, yon mangou vert. Longtemps l'on moun bezon conseil c'est dans moun l'église ou joine ni. Jodi an pa gen bon mangou. Pas gen bon mangue sous pied mangoua. Chaque mangue qui tombe, li gen ver la donne. Li pas enraciné. Sécheresse pousse pied fouya et calé ver au lieu li bay bon fouy. Asoya nous exhorter à prendre le Seigneur au sérieux. Pousser racine. Enraciné en Jésus. Enraciné dans la parole de Dieu, enraciné dans l'amour, enraciné dans l'église. Pas arrêter sans rien faire dans l'église. Si c'est micro qu'a arrangé, rangel. Si c'est souyo qu'a souyé micro à souyel. Si c'est chaise là qu'a souyé chaise là. Pas arrêter sans rien faire en dans assemblée pour ses racines. Si gien question frère Jean-Louis, n'apprendre et n'ap campé là. Nous pas une question, nous gain salutation. Nous gain pas mal de salutations sur tout YouTube. Nous gain sœur André Liadolis qui voit salutation pour nous. Merci sœur Dolis. Nous gain chez la Gilles qui voit salio. Chez la Gilles, elle pas de compte si c'est moi-même. Après lui c'est moi-même lui voit salio aussi. Nous salio c'est chez là. Et Jean-Daniel, vos salutations pour vous. Merci Jean-Jean. Merci, sœur André-Lia. Nous saluons aussi, Ousvel Albert, nous saluons. Pasteur Josa, merci, pasteur. Bon Dieu béni, à toute madame. Marie-Martine Fortinat, merci, Liline Gismé. Jean-Roubert Milis, bonsoir, serviteur. Comment nous sommes, nous saluons à toute madame, mon petit tout. Nous vos salutations aussi pour. Marie, Léopold Johnny, bonsoir. Mawev Diclona, bonsoir, nous content. Nous saluons aussi Marcia Duramé, à toute Maril. Petite Lio, nous saluons nos bien-aimés, c'est un plaisir. Et Dunan Louis, bonsoir. Sœur Yvonne Nérédispierre, bonsoir. Marie-Lou de Calix, à toute Marie, au petit, tout nouveau salutation pour vous. C'est un plaisir, nous contactons nous là ensemble. C'était vraiment bien-aimé, frères et sœurs. Nous saluons aussi Marina Dette en Lozier. Bonsoir Marina Dette, au plaisir d'être là. Nous saluons Magali Corélis. Bonsoir Magali. Bon Dieu béni, Magali, un plaisir. Ronny Pierre, bonsoir, bon Dieu béni. Frère Vilbrun Seralus, au plaisir, nous contents. Bon Dieu béni, nous saluons aussi Claudie François. Bonsoir Claudie François, bon Dieu béni. Nous contents, bien aimés frères et sœurs. Comme nous vous avons dit tout à l'heure, c'est Maestro Sauveur Ilis, le PDG de l'émission Chandelier d'Or, qui maintenant c'est tous les dimanches, les mardis, les mercredis, le vendredi. Les dimanches, les mardis, les mercredis et les vendredis. Il n'est pas tous les jours encore. Dimanche, 18, dimanche c'est à quelle heure? 19h. 19h, 20h30. Ouais, dimanche 19h, 20h30. Mardi et 16h50 pour jusqu'à 19h, 18h30, 19h. Les mercredis et 16h50, 18h30 parce que l'édification divine, les mêmes libres à 18h30. Et après, et pasteur Josa
une émission parler à 20h. Bien-aimés, c'est un plaisir, nous content pour nous être là ensemble à voir soi. Mais ce soir, bah nos conseils là. Conseil qui est très important, nous besoin même quand t'es bishop, même quand t'es gros prophète, puis gros docteur, sous pas remettre l'ouvrage là, quoi oublier. 20 fois sur les métiers, remettez votre ouvrage. Polissez-les et les repolissez sans cesse. Et puis, si ce n'est pas de monter des sons à gauche, à droite, ou pour convertir, soit plein de marchés, ou bien dans l'église pour marcher, ou bien des pourrivés là, ou bien un patron, mais j'ai été adoré, ou patron, mais j'ai été prié, ou patron, mais j'ai été prêché, ou à l'autre, là, ou bien dans l'autre, là, ou elle pareil, et bien, oui, cap commando. Et bien, on joue l'abdou comme ça, qui quitte la dot sa yo. Tenez sa yo quitte l. Ou même, on quitte le vrai. À propos, elle dit, pardon l'église. Pardon l'église qui fait plaisir. Mais c'est pour nous mettre fin. Et pas, on l'autre étude m'a fait, non? Là, nous faisons émission ça là. Bon serviteur là, qu'on a suivi avec nous. Là, elle commence à suivre avec nous. Littéralement, elle est connue souvent. Frère Joseph connaît monsieur tout. Frère Joseph connaît là. Le frère Joseph là, il dit que l'étape sur une étude avec un pasteur, pasteur a fait ça, il fait ça, il fait ça, il n'est pas d'accord. Il parle dans l'étude là encore. Il dit que l'étape sur une étude et sous les ondes, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, il n'est pas suivant encore. Dans l'église, il y a pasteur qui a fait ça, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, il n'est pas suivant encore. Il commence à parler, on fois, il dit comme ça, oui, où tu fais une étude là. Il dit, il n'est pas d'accord. Il pète coquin. Pasteur Joseph Vini, il dit, il n'est pas d'accord. À la fin, Vini, il fait étude par lui. Il fait pas le cognac là. Il fait parler, il commence à partager la même, et puis après, on s'est en bas, on a une nouvelle encore. Et puis, bois moui. On va en côté de l'Ironia là, si le bon côté de la marche, on va en bas, on va en bas. Ni émission de partager, on va en bas, on va en bas. Donc, des fois, l'air quitté et demi à ouais, point fait, bois bien aimé. Non, c'est l'homme, tout le monde sujet à l'erreur. On ne pas dire pour marcher nos assemblées de francs-maçons. Bado pour marcher nous assemblée de champrel assemblée chrétienne mais au cas métage nous à tête ou pour mander bon Dieu dirigeant mais oui dirigeant guidon nous assemblée vous comprenez bien non pas monde qui cap le carnaval là les val chouchon de masse les miki bon nous té dans nous té dans tivaz nous quitter tivaz nous courir dans prendre miki parce que ça le table jouer à bon mais coup tivaz lance l'autre morceau là bon nous quitter miki nous vienne dans tivaz des fois nous quitter et louloup dans la partie cool vous comprenez c'est que nous par contre côté nous garde des gens vacilleurs voilà. Donc, c'est ça, ma histoire, ben, nous, là, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons prier, bon Dieu, pour nous en direction, côté pour nous fonctionner. Non pas prêter trop à verre, Laurent Victor, nous saluons. Nègre, gros, bonsoir, bon Dieu, béni. Au plaisir pour nous être là ensemble, bien-aimés frères et sœurs. Nous prions pour nous capables de mettre fin, pour être capables de reposer demain, pour être capables de travailler, ou bien prendre soin de ce qu'on peut faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel, là, le bon berger, toi, Seigneur, qui a pu donner ta vie pour nous sauver, pour nous restaurer, pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous libérer, pour nous donner la vie que toi seul donnes. Nous te disons merci. Merci encore une fois, Seigneur, du fait que nous t'avons demandé, Seigneur, de nous donner le Saint-Esprit, de permettre à ce que nous parlions selon ta volonté. Tu l'as fait, nous te disons merci. Seigneur, merci encore une fois, parce que, mon Dieu d'amour, ton peuple à satisfait de ce message, de ce travail, de cette parole. Et je crois qu'ils ont pris aussi, Seigneur, des notes pour réviser, pour rééditer l'histoire, pour remettre l'ouvrage chez Seigneur. Car tu dis que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ô Père, que tu nous restaures, que tu nous donnes l'éternel le sens de l'évangile, l'onction de l'évangile, la compréhension, ta faculté, ta science infuse, l'intelligence, Père Saint. Fais de nous, mon Dieu d'amour, tes instruments. Fais de nous, Seigneur Dieu, tes vaisseaux. Fais de nous des agents mobiles, actifs dans ton ministère. Seigneur, nous te demandons, comme tu avais dit pour David, de dire, Seigneur Dieu, de nous, de serviteurs selon ton cœur. Fais-nous cette grâce, Père. Nous ne la méritons pas. Mais de ton amour, de ta grâce infinie, je te demande de nous la faire. Seigneur, ton serviteur, maître sauveur, qui est là, cher Seigneur, qui doit partir pour entrer chez lui. Je te demande, comme tu l'avais fait venir, tu lui fais retourner pareil chez lui, Seigneur Dieu. Et mon Dieu d'amour, son désir pour partir en vacances, Dieu Tout-Puissant. Je te remets dès maintenant
la commande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du volant de sa voiture. Je te remets, Seigneur Dieu, ce soir, toute la famille, mon Dieu d'amour, que tu les protèges, qu'elles se placent dans les creux, sous la prunelle de ton œil, Seigneur Dieu. Toi seul est bon, toi seul est saint, toi seul est tout-puissant. Toi seul est omniprésent, omniscient, omnipotent. Toi seul, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sonne les cœurs, le rein, les os, la moelle épinière. Que tu lui donnes la vie, la santé, la sécurité. Que tu rends cette famille, Seigneur, intouchable, inattaquable, invincible, infaillible, invisible, immortel face aux ennemis. Quelle que soit la nature des ennemis, visible ou invisible, ennemis dans les airs, sur la terre, cher Seigneur, nous sommes plus forts qu'eux, au nom de Jésus-Christ. Nous crions que nous sommes plus forts que ces ennemis, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-moi grâce, parle-moi. Couvre-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, avec cet engagement, je prends pour parler de toi. Pour quand, Seigneur Dieu Tout-Puissant, faire arriver au monde entier ma voix en train de parler de toi. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Lève-nous en dignité. Donne-nous de la valeur, de la grandeur. Que nos ennemis soient terrassés, soient confondus, soient échoués au nom de Jésus-Christ. Bénis toutes les personnes qui étaient branchées avec nous, Seigneur, un peu partout, dans les 5 continents, Seigneur Dieu, dans les 4 vents, au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce. Donne-nous des témoignages. Donne-nous des témoignages. Des témoignages que nous, les hommes, nous ne pouvons pas faire. Mais toi, Seigneur, tu peux éclater des réveils au milieu de nous, des témoignages, des guérisons, et que tu nous donnes la vie. Sa fille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que c'est son anniversaire, mon Dieu d'amour, je réclame la bénédiction, je réclame la dignité, la valeur, je réclame l'enracinement dans une terre fertile, là où il y a de l'eau qui coule en abondance, Seigneur Dieu. Que tu nous donnes, l'Éternel des armées, une construction sur les rocs, un bâtiment sur les rocs, au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce comme ça, nous t'en prions. Dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Psaume 66, verset 20. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté notre prière et qui ne nous a pas refusé ton amour. Sur cette parole, nous recevons la grâce, la bénédiction, la divinité, la dignité, la valeur, la grandeur de Dieu seul. Oh, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est pour tous les temps jusqu'à Jésus-Christ va retourner. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'était un plaisir. Nous contents que vous êtes ensemble avec nous à Soya. Encore une fois, Maestro Souver, Frère Corielu Jean-Louis, même devise, même destination. Nous souhaitons bonne nuit en Jésus-Christ, bonne fin de journée ou même qui en Amérique en Jésus-Christ. Gardez la foi. Amen. Bah, nous dit merci à tout le monde qui a suivi nous. Très nombreux, très nombreux. Et donc, bon Dieu bénit nous. Et donc, que parole la traverse nous. Parole la rite dans nous-mêmes. Parce que parole la c'est juge nous. Et parole la c'est libératrice nous. Alors, on fait parole là. Et parole pas nous. Et lorsque Jésus vient, il pas dit nous dehors. Mais là, dit nous fidèles serviteurs, fidèles servantes. Soyez bénis. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir, bienvenue. Prière papa Rouillon. Repos. La prière chante. Tout bagaille, les chemins ensemble et tout volant, pas plier, prier. La prière va voyant, repos. La prière chante tout bagaille, les chemins. Ensemble le tout au long papier prier les cœurs où t'es rempli comme l'air est-ce que t'es prié est-ce que t'es demandé grâce pardonner les hommes, oh Dieu, qui t'es blessé. La prière va m'envoyer en repos. La prière change tout bagaille. Les chemins
ensemble le tout au long. Pas prier, la prière va bavouillon, repos. La prière changer tout bagaille. Les chemins ensemble et l'eau au long. Prier, prier. Épreuve en pile de vie inni. Est-ce que t'es prié? L'amour t'es gagné tristesse. Est-ce que t'es cherché la joie? Bon Dieu, depuis grand matin. La prière va bavouillon, repos. La prière change tout bagay. Les chemins ensemble et le tour au long. Pas prier, prier. La prière va bagay. Les chemins ensemble et le tout au long. Pas prier, prier. La prière, la prière va bavouillant repos. La prière change tout bagay. Les chemins ensemble et tout au long. Pas prier, prier. La prière va oui, en repos. La prière change tout pareil. Les chemins ensemble et tout au long. Pas prier, prier. Pas prier, prier. Avant au lever matin. Pas prier, prier. Avant au dormir. Pas prier, prier. Avant au travail. Pas prier, prier. Avant de monter ma machine, non. Pas prier, prier. Avant de prendre moto, pas prier,